Les amis, pour vous dire honnêtement, ça doit faire 3 semaines que je suis à Paille. Et là, donc Enzo m'a rejoint, on est resté quelques jours ensemble et je lui ai proposé de faire le Mae-Hong Tour Loop. C'est en fait un grand parcours à faire en deux roues entre Paille et Chiang Mai, à la frontière de la Birmanie. Très beau paysage en montagne. On va faire ça tranquillement. On a prévu une semaine. Donc moi, je suis toujours avec mon petit scooter. Enzo, il a dû louer un scooter. Et puis, voilà, on a fait tout ça ce matin. Et là, on est parti pour notre petite semaine. On peut aller voir derrière, peut-être qu'il y a quelque chose. C'est mignon, regarde, ça ressemble un peu à Krabi, là, le sud de la Thaïlande. Et ouais, mais derrière, il y a peut-être un truc. Là-bas ? Mais faut aller plus loin, j'ai pas été plus loin que... Là, c'est joli, hein. On peut faire voler le drone. Oh là là, c'est trop beau, mec. Vas-y, on peut aller voir plus loin. On est des explorateurs ou on n'est pas des explorateurs ? Rendez-vous aux terres connues, mon frère. Le problème avec les endroits comme ça, c'est à partir de quand on se dit qu'on fait demi-tour. Ah, c'est sûr, non, mais de toute façon, on a le temps en France. On s'est très vite dévié de la route officielle du Mae-Hong Son. On s'est retrouvé dans un petit village très mignon avec des rizières. Connaissant Enzo, je savais déjà à l'avance que ça allait se passer comme ça. Il est un peu comme moi, c'est-à-dire qu'on se contente pas que des circuits touristiques. On a envie d'aller un petit peu plus loin, d'aller dans la Thaïlande traditionnelle, quoi. Super joli. À chaque sommet, on retrouve un peu la même configuration, c'est-à-dire un petit marché où ils vendent des petits produits artisanaux de la région, des vêtements souvent, et puis un panorama de malade. Enfin, je vous avoue, c'est un panorama de fou. Les amis, on arrive à la première étape, on est à Mae-Hong Son, à 30 km de la Birmanie. Aujourd'hui, on a fait à peu près une centaine de kilomètres, puis voilà, on s'est arrêté ici dans cette petite ville. On a pris de quoi s'alimenter au night market, rien à voir avec le night market de Paille. Sympa, je l'ai. Il est plus sympa, moins bruyant, moins touristique. C'est difficile de faire une image rapidement d'une ville, mais globalement, ça a l'air d'être assez calme. Là, on est au bord de petite rivière et puis il y a un temple un peu au style birmanien. En même temps, on n'est pas très loin de la Birmanie. Vous regarderez la vidéo d'Enzo pour voir le détail de ce qu'on mange. Les amis, deuxième journée de road trip. Aujourd'hui, on va se diriger vers une cascade et un champ de tournesol qu'on avait repéré sur une carte. Voilà, donc on s'est arrêté, passé la nuit dans une petite auberge, il n'y avait personne, on était tranquillou. Et là, on est reparti 100 km aujourd'hui. Les
amis, on vient d'arriver dans un parc national. De façon complètement random, on a tourné, on a avancé et voilà. On sait pas du tout ce qu'il y a dedans. On va découvrir tout ça avec, avec le cher Enzo. So there is village in the sanctuary. Yes. Okay. It was 17 village. 70? Yes. Wow. 4 or 5 years ago. Okay. The tiger eat a buffalo in village. Wow. So people in the village ask me in here. Say, oh, you work in here? I go see my buffalo. 1, 2, 3. Oh. 1, 2, 3, 1, 2, 4, oh! Ta, ta, ki, ki, sa, sa, ta, ki, sa, ta, ki, sa. It's easier your language. Than my language. What is your language? I'm Korean. You know Korean people? Korean? Yes. Okay. No, Korean. Ah, Karen. Karen. Karen people. Okay, from here? Yes. Okay, Karen. Karen people, okay. I have a north of Thailand, in Burma. Yeah. My grandfather, long time ago from Burma. Okay. So move in Thailand. Bon, on est tombé sur un vrai petit coin de paradis, une grande réserve naturelle. On est tombé sur un garde là qui nous a accueillis, nous a expliqué un petit peu le fonctionnement. En gros, il y a 70 petits villages de locaux dans la région. Et lui, il veille à ce que tout se passe bien entre les locaux et les animaux. Parce que vu que c'est une réserve, c'est interdit de tuer les animaux. Et donc, il y a même des tigres apparemment qui tuent les buffles et tout ça. Donc, c'est un petit peu le bordel. Il essaie de gérer un petit peu tous les litiges qu'il peut y avoir comme ça. Et il y a un lac super joli avec des arbres morts, hein, mais je sais pas du tout comment c'est possible que ça soit formé ça. Tout à l'heure, quand on s'est arrêté au restaurant, il y a une femme qui nous a expliqué qu'aujourd'hui c'est un jour spécial pour les Thaïlandais, c'est le festival des fleurs. Et en fait, on trouve des fleurs jaunes comme ça partout sur les bords de route, partout. Et c'est vraiment super joli. Les amis, objectif de la journée atteint, on a réussi à atteindre cette fameuse cascade qui est derrière moi. Elle est gigantesque et doit faire une centaine de mètres de haut, je dirais, à la louche. Et je crois que c'est une des plus hautes du pays. Donc on en a quand même bavé pour arriver jusque là, c'est vraiment un coin très très paumé. Bon là on est vraiment fatigué, donc on profite qu'à moitié en fait. Mais c'est super impressionnant, j'ai jamais vu de cascade aussi grande que celle-là. Même après en avoir visité au final... Franchement, je dirais 10-15 depuis que je voyage en Asie. Les amis, jour numéro 3. Aujourd'hui, on se dirige vers le sommet de la Thaïlande, une montagne qui s'appelle Doi Antanon. Je ne sais pas si c'est la bonne prononciation, mais en tout cas, on va dans sa direction. À peu près une centaine de kilomètres encore, donc ça fait 3 fois qu'on fait une centaine de kilomètres. Mine de rien, 100 kilomètres, c'est beaucoup quand les routes sont vallonnées et puis que ça tourne dans tous les sens. On s'en rend pas compte, puis on prend beaucoup de détours. Au final, à la fin de la journée, on doit faire 200 km. Hier, finalement, après la cascade, on a vraiment quitté la zone parce que même si c'est pas très habité, ça reste quand même un endroit touristique et les prix des logements sont vraiment très chers. Donc on est reparti, on a trouvé un petit spot, c'était pas terrible, hein, mais au moins on a pu dormir. Et puis là, on reprend la route. Enfin, vous verrez de toute façon sur la vidéo d'Enzo, il a filmé la chambre.
tico, 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 tap. Tico, tico. Oh, tico, 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 tap. Tico, tico. Oh, tico, 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 tap. Tico, tico. Oh, tico, tico, tap. This tico, tico, he's a cuckoo in my car. Ça y est, on est au sommet de la Thaïlande, 2665 mètres d'altitude. On est un petit peu déçu par l'endroit, je vous le cache pas. Je m'attendais à voir un grand panorama, à voir une très belle vue. Finalement, bah, tout est caché par les arbres. Et puis, il y a plein d'espaces qui sont pas accessibles parce qu'ils ont mis des stations météo, des espaces militaires et puis des sanctuaires. Dans la région, il y a pas mal d'espèces endémiques parce que le climat est assez différent de ce qu'on peut retrouver de la Thaïlande. Donc, on va retrouver par exemple une vingtaine d'oiseaux endémiques d'ici, c'est-à-dire qu'on va les retrouver uniquement ici et pas ailleurs dans le monde. Et pareil pour les plantes, il y a plus de 200 espèces végétales qu'on va retrouver uniquement ici. On est au Phang Pha Camping depuis, voilà, c'est la troisième journée et on est extrêmement bien. Le proprio s'appelle Laurent. On est très très bien. On est très très bien. On dort pas très bien ici quand même. Hein. On dort pas très bien. Moi j'ai pas bien dormi. Surtout avec toi là qui te roule en boule mon gars. Non, en fait faut savoir c'est que cette nuit il y avait un gecko parce que là il y a du bois, tu vois, il y a du bois mais il y a deux couches de bois. C'est ce qui fait qu'il y a un espace, il y a à peu près ça. Il y a un gecko qui vit là-dedans. Le gecko, le bordel, il faisait 60 cm. Et il se baladait là, tu vois, toute la nuit. Lui, il dormait, il pionçait, il ronflait, il s'en foutait complètement. Genre, aucun esprit de survie, quoi. C'est un animal, c'est un animal qui vient me becter, mais genre, tu te laisses faire complètement. Et moi, bah, ça me perturbait, en fait. Je sais qu'il va, le gecko, il va pas nous grailler. Mais c'est perturbant d'avoir un animal de 50 cm juste au-dessus de sa tête. Enzo a pas très bien dormi. Moi, j'avoue, je dors bien. À part ça, en fait, après, quand j'ai dormi, c'était cool. Personnellement, je suis tombé vraiment amoureux de l'endroit, en fait. On est à côté de la plus grande montagne de Thaïlande. Elle fait 2500 mètres d'altitude. Enfin, je l'ai montré. De toute façon, vous la verrez en drone. On est vraiment au milieu de la nature. Vraiment. Hein. Genre là, le village le plus proche, il est à 2-3 km. Et c'est pas un très grand village. Hein. Là, on est vraiment dans les montagnes. C'est un peu les. Là. Les Pyrénées français. Les Pyrénées thaïlandais. Tu vois, c'est un petit peu les Pyrénées thaïlandais. Laurent nous a accueillis super bien, il est très très sympa, il nous a appris plein de trucs sur le pays, sur la région, sur la politique, sur la façon de vivre des Thaïlandais, plein de trucs. Très intéressant d'avoir la vision d'un français expat, quoi, qui vit là depuis 5 ans, avec sa femme qui est thaïlandaise. Et voilà, à la base on devait juste passer une nuit là, et là franchement j'ai même plus envie de repartir, je vous avoue. J'ai rarement eu un coup de cœur aussi fort pour un endroit. Cet endroit apparaîtra dans la carte qu'on mettra, la carte Explore ton voyage. Franchement, si vous allez dans le nord de la Thaïlande, allez-y, franchement, c'est un spot de rêve. Là, on a 2 km du camping de Laurent et il y a une petite piscine au centre du village. C'est un petit peu le lieu de ralliement des jeunes, de toutes les générations en fait. Ils viennent là, ils se posent autour parce qu'il y a un petit restaurant.
Et en fait, l'eau est super claire, super propre. On peut même la boire, hein. On se baigne dedans, on peut la boire. Elle vient d'ici, en fait. En dessous, il y a une nappe phréatique. Et voilà, ça alimente carrément la piscine qui est là. Et puis après, ça alimente un cours d'eau. Voilà, ça alimente cette petite rivière ici. En partie, hein. Il y a d'autres sources à côté. Ça, Michel, piscine ? Par contre, tu peux pas accéder ici sans scooter. Il te faut un 2 roues, donc faut que tu te débrouilles pour le louer à Chiang Mai ou à Pai. Et puis voilà, il y a un petit chien aussi avec la femme de Laurent. Viens. Peanut, il s'appelle. Il est tout fou. T'es tout fou, frère. Tu veux tout le temps attraper les pieds. Hein, tu veux attraper les pieds. Après, faut pouvoir dormir en tente. Y a pas tout, je sais qu'il y a des gens qui aiment pas forcément. Après, ici la nuit il fait pas très très chaud, il fait pas très froid, avec une petite couette et tout, ça tu dors bien en fait. On repart demain, on va finir ce fameux mountain loop et puis on arrive à Chiang Mai.